on va dire, sur les saisies, sur l'attaque, comment sortir. Donc là, on reprend l'attitude de base, c'est-à-dire que dès qu'il y a une agression, c'est position de base ici. Donc, sur une saisie fixe, je pose tout. Là, on retrouve un peu la sensation du sol. C'est-à-dire que sur une saisie fixe, si je mets la tension, lui, il va sentir l'agressivité, il va bloquer. Soit il va repartir en bloquant, évidemment. Au soir, pour moi, ça va être très, très dur de se faire. Donc, on passe sur le même principe. Il arrive, les mains au cou comme tout à l'heure, il rentre. Je me laisse emporter. Ça doit être son mouvement qui me fait déplacer. Et là, je frappe. Fais n'importe quoi. Ici, je bouge, j'essaie de frapper. Ça me permettra de ne pas rester face à lui. Dès l'amener dans le mouvement. Dans le mouvement, j'essaie de frapper. De côté, c'est possible. S'il est fixe sur moi, d'accord? Donc, dès qu'il y a une chose de saisie, première question, je me dis avec quoi je peux le frapper à partir de là. Mais avant ça, je vais le laisser faire. Je vais anticiper parce que ça est surprise, je commence à bouger. Et là, je vais m'installer. Là, je pourrais me libérer pour le frapper à soi. D'accord? Dès qu'il y a quelque chose qui arrive, je le laisse faire, j'essaie de le placer, je le frappe en même temps. Là, dans le mouvement, je ne laisse pas installer. Dès qu'on voit que je le suis, je le haut, je le suis là. Je il pose. Aucune tension. Là, je peux le frapper. Là, je peux sortir. Là, je peux bloquer. Là, je peux l'amener. Là, je peux contrôler. Okay. Et c'est ça. Dans le mouvement, je le souviens. Le mardi dernier, on avait vu qu'on pouvait contrôler. C'est-à-dire, à une bonne distance, on pouvait frapper direct. Là, on n'a pas vu arriver. Donc, je ne peux pas contrôler. Il est arrivé. Je ne m'attendais pas. Ok, je le contrôle. Je laisse faire. Par contre, si je bloque, allez, allez, prenez l'arme, c'est fini, le combat.